na 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 na. Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours numéro 86 d'art dramatique. Alors j'ai instauré ces cours d'art dramatique de façon à éveiller le public dans une certaine forme dont il n'a peu conscience, c'est-à-dire jouer la comédie. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui jouent la comédie dans la vie de tous les jours, mais là, il s'agit de la jouer sur scène, ce qui est complètement différent. Parce que sur scène, on a un objectif différent de la vie de tous les jours. Vous voyez, par exemple, en ce moment, je suis Filou Dingo, mon objectif principal, c'est de vous enseigner... d'essayer, parce que je sais bien que j'ai pas grand pouvoir, d'essayer d'enseigner la comédie au plus grand nombre. Alors, je réfléchissais, parce qu'il y a différentes formes d'enseignement, évidemment, et bon, soit je vais enseigner individuellement les personnes, c'est-à-dire que je suis en train de créer un site internet sur lequel je pourrais donner des cours individuels à toutes les personnes. Et d'ailleurs, je lance un appel à toutes les personnes volontaires d'être les cobayes de mes critiques acerbes et puissantes qui vont à tout jamais vous détruire. C'est très difficile d'enseigner l'art dramatique. C'est pas difficile pour moi, c'est facile. Mais c'est très difficile d'être le réceptacle d'un professeur, vous voyez. Parce que, d'une part, on ne sait pas ce qui va en sortir. En général, un professeur va trouver le point fragile chez vous. Et donc ça va vous faire mal, vous voyez, l'endroit où il va appuyer, un peu comme si vous trouviez mon point sensible, et puis que vous appuyez le doigt dessus, ça va me faire mal. Voilà. Alors, tout l'art de l'enseignement, c'est d'enrober ça avec des mots doux, avec de l'alcool, avec du miel, vous voyez. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, n'est-ce pas? Mais, en fait, un cours d'art dramatique, tel que je veux l'enseigner, ne va pas se résumer à une séance. Je voudrais suivre mes élèves pour leur donner l'occasion d'évoluer réellement dans le sens de devenir réellement des acteurs excellents, des excellents acteurs, en faisant une formation pointue, on va dire. Et donc, leur enseigner tout l'art de se connaître,
de comprendre qui ils sont et de gérer avec eux leur personnalité. Gérer avec eux ou qu'ils la gèrent seuls. Hein. Moi, je ne suis pas obligé de la gérer avec eux, mais l'art de la comédie, c'est la transformation personnelle, vous voyez. Par exemple, moi-même, je suis obligé de me transformer quand je veux jouer la comédie. Alors là, c'est facile, j'ai mon personnage de Filou Dingo, bon, il est en place, je ne me fatigue plus pour le jouer. Quoique, je cherche chaque soir, je cherche quelque chose de nouveau à donner à mes téléspectateurs. Si vous remarquez bien, je ne suis pas toujours sur la même tonalité. Je varie les gammes. Et puis j'essaye de trouver ce qui est un peu original, qui peut plaire. Alors, ce soir, j'ai décidé de vous donner un court art dramatique, mais sur retour, vous m'envoyez vos vidéos, vous me montrez ce que vous savez faire. Et moi, je vais commenter les points sur lesquels vous devriez vous perfectionner. Alors, je ne peux pas le faire en public. Venez sur mon site. Mon site, il est ouvert, gratuit. Il est gratuit. Où je pourrais poster mes critiques personnelles qui s'adressent à telle personne ou telle personne, de façon à ce que ce ne soient pas des critiques ouvertes à tous les publics, vous voyez, pour que vous ayez une certaine intimité dans votre personnalité. Parce que si je trouve un défaut et que je la dis à tout le monde, c'est pas bien non plus. Il faut que ça reste un peu intime, vous voyez, ce genre de choses. Donc, moi, je suis en train de créer un site internet sur lequel je pourrai vous répondre. Un site internet où vous aurez accès. Actuellement, tout le monde a accès sur mon site. Il y a le lien sous la vidéo. Vous pouvez y aller. Bon, pour l'instant, je travaille avec personne, mais j'attends les clients. Vous m'envoyez vos vidéos. Vous m'envoyez ce que vous savez faire. Vous me faites regarder sur YouTube un truc. Et moi, je vous commente. Je vous commente. Je ne commente pas comme un speaker, hein, non. Je vous donne les progrès que vous avez à faire dans tel domaine, etc. Je vous donne les clés qui vont faire que vous allez progresser. Voilà. C'est une nouvelle expérience que je tente. Peut-être que ça plaira aux gens. Peut-être que ça plaira aux gens. Peut-être que nous pourrons avancer ensemble. Voilà. Oui, alors, voilà, la méthode à suivre, elle est très simple. Vous m'envoyez un petit lien, en privé ou public, ce que vous voulez. Vous m'envoyez un petit lien en messagerie. Vous savez où me trouver, sur Facebook, sur YouTube. Bon, vous me dites, voilà ce que je sais faire. Moi, je vous regarde. Et ensuite, je vous réponds, je fais une vidéo comme ça. Je vous réponds directement, je dis, Bernard, voilà. D'après ce que j'ai vu, ton film, voici les progrès que tu aurais à faire. Ou Claudette, voici les progrès que tu aurais à faire dans tel domaine. Voilà comment je vois les choses, ce qui va pas chez toi. Enfin, je fais un petit développement comme ça de 5-10 minutes, histoire de vous faire un cours individuel. Et ça, je le posterai sur mon site internet avec le lien qui est dessous la vidéo. Vous allez trouver le lien actuellement. Je n'ai jamais fait de commentaires sur personne.
Et donc là, j'innove totalement. Bon, ça, c'est des cours gratuits que je donne pour l'instant, qui sont gratuits à ceux qui me suivent. Disons que c'est pour me lancer en quelque sorte. Lorsque j'aurai beaucoup, beaucoup de demandes, ça ne sera plus gratuit, évidemment. Ça dépend le nombre de demandes que j'aurai. Pour l'instant, j'essaye de me construire une clientèle. Donc, soyez un peu indulgents. Je prendrai les premiers venus, première vidéo, voilà, et on va bien voir ce que ça donne. Si ça vous porte, je ne vais pas dire préjudice. Parce que ça peut être mal pris aussi. Hein. Vous dites quelque chose à quelqu'un. Moi, je vous en supplie, ne faites pas ça. Ne m'en voulez pas après. Moi, je le fais pour vous aider. Évidemment, je ne sais pas ce qui va en sortir, vous voyez. Donc, on va y aller doucement, doucement, doucement. Moi, dans l'idéal, dans ma façon de voir l'enseignement d'art dramatique, ça ne se fait pas sur un cours, sur un commentaire. Hein. Il ne faut pas croire. C'est le début. Ça lance l'apprentissage. Mais l'apprentissage, lui, il peut durer 6 mois, il peut durer 1 an, il peut durer 2 ans, il peut durer 3 ans, il peut durer 4 ans. Vous voyez, l'apprentissage d'un bon comédien, ça ne se fait pas en un seul cours. Donc, c'est juste un début, un pied à l'étrier, chaque chose en son temps. On ne va pas demander à un débutant de jouer comme El Belmondo, vous voyez. Voilà, il faut être raisonnable aussi. Voilà, mais si déjà il est bien organisé, il est bien orienté, il est suivi par quelqu'un comme moi qui a 30 ans, 40 ans d'expérience, vous voyez, je veux dire, on ne peut pas se tromper le gars, hein. Ce que je dis, ce sera juste. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Eh bien, écoutez, je vous attends. Nombreux, pas nombreux. J'attends mes fidèles détracteurs. Ils se reconnaîtront. Et puis, je vous dirai ce que je pense. Même si vous ne pouvez pas faire un film, envoyez-moi une photo. La photo, je vous commenterai. Voilà, une photo aussi, ça parle, des fois, si vous n'avez pas de film. Sur une photo, je me fais une idée de quelqu'un, vous voyez. Je peux vous dire presque ce qui vaut. C'est pas pour vous donner une note, hein. Attention. Moi, je ne juge personne. J'estime qu'on est tous dans un océan, on a tous un niveau, une barrière à franchir, et il n'y a pas de sommet, il n'y a pas de sol, vous voyez, on est tous dans un niveau variable comme ça. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était le cours 86 d'art dramatique, j'espère que vous allez me répondre. De toute façon, je vais m'orienter dans ce sens-là, hein, à l'avenir, ce sera ça, je pense, c'est un début. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'attends vos photos et vos vidéos. N'oubliez pas, c'est important pour moi au moins. Oh, oh, vous me suivez depuis tant de temps. Allez, au revoir, à bientôt.